des formateurs du temps pour apprendre comment c'est là organisé. Notre organisation Sénat est aussi grand sénateur, il faut que c'est membre de commission. Et moi-même, depuis notre campagne, on est dans la bataille pour famille, justice, sécurité. Arrivé au niveau du Sénat, sans élection aucune, tous les sénateurs pour les moins qui gagnent sensibilité pour la justice, la sécurité, et dit ça, on ne parle pas d'un candidat là-dedans, n'a pas dit pour sénateur, sénateur. Moi, je fais 4 ans dans ce Sénat, je fais 4 ans président de commission justice sécurité. L'arrivée en dedans, moi, j'ai une commission qui est une commission affaires sociales et du travail. Moi, plus que la bataille pour la famille, moi, je dis, on transforme notre fonds de l'économie en commission des affaires sociales, du travail et des droits de la famille. Moi, je passe 4 ans dans le Sénat, je fais 4 ans vice-président de la commission ça, que le sénateur, cher ami Antonio, a dirigé cette commission affaires sociales, du travail et des droits de la famille. Moi, je demande la commission affaires étrangères, et là, il travaille en pile là-dedans, parce que maintenant, on est plus allé par les gens qui font diplomatie. Cependant, on est participé dans le Sénat du travail. Merci, vous êtes présent au meilleur petit temps. Les dernières élections. Allez, moi, madame, madame, merci. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Nous dit, moi, demande commission qui a prévisé la constitution en tout. Que le sénateur qui est au Augustin a dirigé. Malheureusement, il n'a pas entendu comme travail sénateur. Moi, demande commission spéciale sur ratification et enquête spéciale. Par exemple, ma commission qui a analysé le dossier Jean-Henri Séan à gouvernement, nous menons des enquêtes spéciales en tant que presse comme le reste pays. Mission sénateur, c'est faire loi. Mission sénateur, c'est contrôler l'exécutif. Vidéo se passe là, nous, nous travail de contrôle. Mais, moi, dans le travail de PAM, rédiger 14 propositions de loi que je vais expliquer. Parce que je voulais payer, me changer, je voulais contribuer dans l'avancement. Dans 14 propositions de loi, ça y est, gagner. Premier loi passé, c'est la loi sur la réputation du certificat de bonne humeur. Qui est la psychologie texte ça? C'est parce que le monde a un télé-pacifique télé qui était pour passer en direct toute séance Sénat. À plusieurs reprises, ma première Sénat, ma chita, côté chita, il y a un monde qui a mis à l'heure déplacé comme tel collègue. Déplacer côté collègue parce que nous sommes dans ce là. Mais ce qui est sur une fréquence, c'est une décision de respectant pour au niveau du Sénat de la République pour nous avoir dit à pour tel monde. Et là, mon calcul me dit si ce n'est pas grand bien, dans 5-10 ans, nous avons un Sénat que j'ai député, c'est plus pour les ingrédients de Wakarla. C'est lui pour assassiner la place, c'est lui pour kidnapper la place. Maintenant, pour nous stopper ça, puisque constitutionnellement dit n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante, et nous avons condamné, nous avons un texte de loi qui est loi sur la réputation et le certificat de bonne vie et mœurs. Il y a 15 articles. Nous faisons 3 mois pour nous voter parce que notre capacité est là. Mais nous devons voter au niveau du site. Deuxième point de vue, c'est tout le monde a une envie. Juste sur les gens qui vont parler avec moi, si on voit un cabrit là, on a un cabrit là d'avant 10 000 gouttes, si je lui ai payé à violer la loi pour juger, nous devons être en prison, la monnaie,
c'est Marie pour Yévry, Marie-Pierre, mettez votre petit bateau pour traverser l'an même pour une porte presse à Belle, vite la guerre pénitentiaire en ce moment. Une situation que le juge est anormale. Maintenant, nous jouons un texte de loi déposé comme sénateur de l'Ordre, nous prenons le remaniel et nous fouillons jusqu'au tribunal de première instance dans la Nave. Les votés au Sénat, j'en ai dit. Nous tous connaissons aussi volontaires dans le pays. Et pour avoir été sénateur, commissaire du gouvernement, avocat militant qui partit à la mobile, année de carrière, nous avons décidé de dire, m'a passé une loi sur la question volontaire. De voter au niveau du Sénat. Ma connaissance, nous avons voté au niveau de la Chambre des députés. Nous connaissons dernier, l'homme d'a fait travail de 300 000 âmes. Qui est en circulation irrégulière dans le pays. 300 000 âmes, il y a des noms officiels, il y a des noms bandits, des noms bons citoyens qui servent la taille pour protéger. Des juges nécessaires pour nous légaliser les affaires d'âmes qui sont en contrôle. L'âme d'âmes de 300, je dis à eux, 500 qui sont en circulation. Nous avons loi 64 articles que vous présentez. Loi ça a été votée au niveau du Sénat de la République. 64 articles ont commencé à voter en juillet 2018. Les films votés en juillet 2019. Mais les votés quand même. Quel est le droit que vous proposez pour aider les pays à avancer? Par exemple, loi sous question urgence médicale obligatoire. N'importe quel monde qui fait un accident aujourd'hui à l'hôpital, parce que mon Haïti va bien à l'adresse, parce que mon n'est capable de payer, mon ne peut mourir à terre. Et journaliste qui est Peterson Casseus, qui est victime des actes de PNH. Je dis, il faut qu'on propose une loi sous urgence médicale obligatoire. Loi ça a déposé. En commission jusqu'à date. Mais question réseaux sociaux, ils ont dit ça, ils ont voulu de monde, ils ont fait ça, ils ont voulu sur le monde, ils ont fini à tout ce qu'ils voulaient. Ils disent réseaux sociaux sont bons parce qu'ils permettent de monde à prendre une bagarre, faire progrès avec ce qu'ils ont. Cependant, on ne peut pas qu'à utiliser comme ça pour détruire le monde. Représenter une loi et ça a motivé, c'est président René Brivard qui mourit et le ministre de la Civière, tout connu, a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a un chanteur qui a chanté Nicolas Ballas, qui fait des bagages là. On dit non, on met des contrôles sur ça, qui va permettre au moins le pays à contrôler les réseaux sociaux. Les déposer, il faut qu'on vote. Il y a une loi sur caméra vidéosurveillance dans tous les pays du monde. Pays avancé, il y a des caméras d'importance. Aux États-Unis, un policier a arrêté, il y a même autorisé pour filmer comment l'a arrêté. Mais jusqu'à présent en Haïti, nous n'avons pas gagné une loi qui permet d'utiliser caméra surveillance. Moi, proposer un texte de loi qui en attente de vous voter dans la question de caméra surveillance. Nous travaillons sur la famille. Moi, dis, si nous nous faut nous protéger contre l'alcool, contre la marijuana, contre les armes, contre la violence, contre le sexe. Tout ça, article 159 de la Constitution de l'Université a dit, nous devons réserver le code de la famille. Moi-même, je rédige un code de la famille qui n'est pas travail initial, qui est des codes de protection de l'enfance. Nous allons transformer et nous déposer au niveau du Sénat de la République, mais le pour vous dire. Experts en matière de sécurité de l'Ordre Rémi Condé. La police nationale est capable de faire le travail là. Mais les sections communales, la police n'a pas qualifié. Nous sommes clôtiers qui ont une section de l'Ordre. Il y a des pays pourris. On va marcher 3 à 4 heures de temps à pied pour vivre là. Pas des policiers dans ce zone.
nous avons réfléchi à l'équipe moyen, nous avons proposé un texte de loi sur la police municipale. Texte de loi, ça nous discuter avec la Fédération des magistrats, des maires, ils ont accepté le texte de loi, ça a déposé au niveau du Sénat, beaucoup voté. Fonverret, depuis 1979, les communes, jusqu'à date, ils étaient en une seule section communale. Alors que Fonverret, ils ont une population qui est plus que grandie, plus que Tabar, qui a avoisiné Cité Soleil, mais elle était toujours une seule section communale, donc l'État a bien comme une section. Nous déposons un texte de loi pour nous découper territorialement Fonverret. L'État nous donne un petit peu de monde qui a travaillé à Kaïli, à Grève, tous les gens qui ont un contrat actuel. Chaque fois que nous renouvelons le contrat de Mounsayo au mois d'octobre, novembre, si c'est fioyé, il faut que vous baillez mon bagage. Si c'est garçon, il faut marcher à genoux pour une autorité qui a aidé pour des projets de développement à travers leur budget. Vous là, vous écrivez ma preuve au public. Projet que mes qui pas abouti, par exemple l'école professionnelle de Léogane, l'école professionnelle de Paris-Mouquet, l'école professionnelle de Lagonave, qui n'a pas réussi, qui n'a pas abouti. Centre de réhabilitation de forêt des pins, qui n'a pas abouti. Question pour Cornillon, qui n'a pas abouti. Projet tribunal de paix, gros monde, acte la source dans Lagonave, qui n'a pas abouti. Lycée d'excellence que nous avons trouvé qui n'a pas abouti. Ça y est, c'est regret PAM, parce que notre temps par maintenant, 4 ans, nous n'avons pas de temps arrivé à réaliser ça. Cependant, nous bataillons, notre devoir de contrôle, notre devoir de contrôle long, pour le pont de Bernier qui nous donne des engorgés tabac et ouvrir sur 4 à 5 départements de l'Est du pays. Nous bataillons aussi pour Place Cap-Malas. Nous bataillons aussi pour route Malbasta définie. Nous boumons pour route de la voie finie. Nous boumons pour route Bernier terminée faite. Nous boumons pour sous-commissariat route nationale numéro 8, côté 411, contrôle route nationale. Nous bataillons pour travaux Gabriel Miracle. Notre pouvoir de contrôle long, parce que nous sommes bien tâchons, nous pas agir de développement, mais nous avons poussé l'exécutif là à adopter des projets capables pour venir. Nous finissons, comme dit. Pendant 4 ans, nous avons combien 1500 boursiers professionnels, mais bien importants à ça. Parce que chaque jeune garçon qui fait bon prix, il y a une bonne exploitation pour la vente. Pour le bloquer les armes pour nous. Chaque jeune fille qui peut faire post-cryptologie, elle a moins d'exploitation pour aller dans la corruption, dans la prostitution. 1500 boursiers et nous avons 600 cartes de formation actuellement là qui nous graduent dans 20 mois de janvier. Nous croyons ça. 712 universitaires. M'obligez parfois à partir de forum pour demander des poils et des vies pour aider des gens à apprendre le métier. En pile, les gens qui ont apprendre, je vous dis là, et c'est ça que vous faites. Jean-René Zénatus, pour le gars de l'élu, est 98% présence au niveau du Sénat. 2% ou bien en voyage pour l'État ou bien là. 98%. Et ça, tout le monde est capable de vérifier au niveau du Sénat. Ma tout dit pour bien, c'est la tête qu'on fait 6 mois par an, mes pieds. Mais on prend tout le privilège que l'État voulait pour eux. Donc, par contre, lorsque les textes n'ont pas capacité de faire de bon, qui ça fait ça? Ma chambre en opposition à Haïti, on a 40 ans. Pour les élèves par le profit, pour les élèves par les jeunes, pour les élèves par le chou. Non. Je ne suis pas de l'opposition à pays pour me débattre dans le pays de l'Ocre.
nous te dit pas dans le pays d'or, nous comprenons le président pour la responsabilité, s'il n'est pas capable, il va diriger ce boule à l'aide. Mais nous ne pas dans le pays d'or parce que nous destinons le pays d'or, pas le avantage de l'île. Nous avons besoin de ministère parce que Dieu nous destine bien le pas bon lorsque le sénateur a quitté. Il a traîné le ministère de la direction générale. On parle d'accord ça. On dit qu'il y a des lignes. Bataillons en pile. Et paroles en pile. Même avec le premier là. Même si nous, en titre de partage d'expérience, que nous rendons compte, j'en désire la vidéo. La politique en Haïti est dirigée par la mafia. Mafia dégagée le compte de Jean-Jacques pour financer la campagne des députés qui vient faire corps à gré dans la mafia. Refinancer la campagne des sénateurs pour venir renforcer la mafia. Il est président de l'Union. Que même mafia ça dit, politique parfaite pour nous dire en Haïti. J'ai des gens qui ont voulu décourager parce que les oiseaux qui ont été sur le pont de bois, ils ont fait mouver la gare sur le dôme. Et ça, c'est important, nous, Haïtiens, quand même, et Haïtiens, toujours dans le point d'interrogation, pour dire c'est vrai. Je ne parle pas de jeunes qui l'ont dit, on ne parle pas de quitter politique avec ma frère. C'est vrai, il dit, pour faire politique, parce que quand même souffre, sans même mieux souffrir, on dit qu'on aime mieux souffrir, parce que nous avons dit. Cependant, si nous quittons politique là pour mafia, nous devons tout quitter ce monde de bien, durant, pour nous prendre des liens, pour être capable de revenir. Merci beaucoup de ce qu'on a vu.